Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui, tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a signé pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant au de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. Moko Sénégal.
mangi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen xamal ni waxtu bi may wax ak yeen ñu ngi sentu élection bi fal président de la république ñu japp ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci at mi ñu nekk fan yi yépp nag réew mi am na lu bare bare lu fi xew ci ay tolof tolof ci wàllu élection bi ak processus électoral mu judd si loolu benn xiiroo ci diggante pencu ndaw réew mi ñu tuddee ko assemblée nationale ak tribunal bi nga xam ne mooy tribunal bu kawe bi ñu tuddee conseil constitutionnel te moom moo war a saytu élection bi moo ko war a contrôler ñaari féewaloo yooyu nag si diggante ñaari institution yu mag dafa andi lu bari lu mu andi ci réew mi ak ay jafe-jafe ci wàllu élection bi ndax andi na xel ñaar wala boo xel mu tey selon ñi nga xam ne dañu jàpp ne nañu saytoo seen i mbir jaarul ci yoon. ginnaaw loolu assemblée nationale bi jàpp ne donte am na loo xam ne jàpp nañ ne jaarul wala sax wax nañ ba tudd wàllu guerre du ñu ne am na waaye nit ñi wax nañ ko jëmale ko ci tribunal bu mag boobu ak ñasa nekk wala ñenn su ñasa nekk muy loo xam ne lu doy waar la lu Sénégal mosul xam assemblée nationale wute ci bésum fanweeri fan ak benn weeru janvier bi ñu nekk taxawal commission buy def enquête ñu tuddee ko commission enquête parlementaire ngir war a mun a leeral ni nga xam ne noonu la mbir mi doxee ca biir conseil constitutionnel ba ci wàllu candidature yi kan moo war a jàll ak kan moo war a jàll loolu nag ba mu amee conseil constitutionnel itam bi nga xam ne charte réew mi daf ko jox ay pouvoir ci wàllam moom it bind na bataaxalam ñoom juróom-ñaari juges yi nga xam ne ñoo ko séq wane ne conseil bi dàq na kaddu yooyu ñu yëkkati ak tuuma boobu ñu yëkkati jëmale ko ci ñenn si ñoom te it wane nañ ne lépp lu ñu liggéey ñoom si yoon lañ ko teg waaye bëgg nañu tuuma yooyu ñu leeral ko leeral boo xam ne it dafay respecté charte réew mi respecté it lii ñu tuddee séparation des pouvoirs mooy pouvoir bu si ne yoon moo la jox say prérogatives say dogal ak fi nga xam ne fa nga war a yem waaye keneen tam mën a ñëw dugg ci loolu loolu nag bi mu amee te lépp jëm ci élection bi mu am leneen lu ci yokk depuis Barki Démb lu ñëw gën a teyal xel yi muy ñu gis ne candidat kat si ñu jàppoon ne ñoom ñoo war a dem si jongante bi am na ci koo xam ne ndekete yow moom am na beneen nationalité kon lii constitution bi wax ne képp kuy wut réew mi waroo am beneen nationalité bu dul bu Sénégal gis nañ ne kon loolu tam nërmeelu na si cas bi nga xam ne moom la ñu gis Barki Démb te may fàttali ne mu amoon candidat buñ si génnee ndax waxoon ne dafa am ñaari nationalité yooyu nag mooy li nga xam ne moo fi xew te nar a indi jiixi jaax si élection bi ni mu tëddee nga xam ne dafa war a nekk élection boo xam ne dafay leer te ñu ànd ci loolu bi loolu amee assemblée nationale toujours ñëwaat na bind ma bataaxel ni nga xamante ne noonu la ko seen charte waxee ñu tuddee ko règlement intérieur xamal ma ne kat groupe benn groupe parlementaire déposé na beneen loi bu bees proposition de loi la buy bëgg soppi benn article bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu date élection ñoom assemblée nag bu ñu amee sañ-sañ boobu tam faaw ñu laaj jël bataaxal yëgal président la fay xew bi ma jotee bataaxal bi dajale naa consultation seet président assemblée nationale ñëw na seet si moom ma waxtaan ci ak moom waxtaan ci ak premier ministre waxtaan ci ak président bu haut conseil bu collectivité territoriale waxtaan ci ak président bu conseil économique social et environnemental waxtaan ci ak président bu conseil constitutionnel ndax booy xool ginnaaw cour suprême muy tribunal ñooñu ñooy constitution ñooñu ñooy institution yi nekk ci biir réew mi ginnaaw ba ma waxtaanee ak ñoom nag wax naa assemblée ne
dégg naa li ngeen wax, jot naa seen bataaxal, kon seen liggéey mën ngeen ko continuer. Ginnaaw nag ñoom assemblée ñu ngi toog jamono ji di saytu ak dugg si procédure, jël naa décret bi nga xam ne moom mooy ajandi décret bi woote woon ne élection bi le 25 la doon. Décret boobu jël nañ ko tey mu nekk décret bu ñu signé tey ji ci bés bi ngir ajandi ba xam assemblée nationale lan moo fay génne ginnaaw bu ñu pare seen liggéey. Li ma si bëgg a yokk nag mooy mi nekkuloon lu ñu sóoraale, newuloon it li ñuy xaar, waaye may féddali kàddu ya ma yëkkati woon fii si seen kanam ci ñetti fan ci weeru juillet at mi ñu génn daaw di xamal leen ne élection bii di ñëw fas yéene wu ma nekk si candidat, loolu dama koy biralaat tey ji te ci gën a taxaw. Bu loolu weesoo it ma leen di xamal ne dinaa ubbi jaar bu bees boo xam ne bu lu dul yàgg ngir réew mi ginnaaw jafe-jafe yi ñu dund at yi ñu fexe ba dajale réew mi ci jëm ci élection boo xam ne bu leer lay doon, élection bu boo xam ne tam dinañ ko ubbi ba du am benn xajale, dinañu waxtaan ci kujjee politique bi ba nga xam ne tam lépp li ñu war a wut ngir nu ñuy séparé candidat yi nekk loo xam ne ñëpp dinañ ci ànd. Loolu dina permettre itam réew mi ñu apaiser ko, maanaam indiwaat fi jàmm, jàmm ju gën a yaatu, ba lépp fi jafe-jafe lu jëm ci wàllu jàmm ak ci wàllu ay jafe-jafe ñu dindi ko te lu dialogue bi moo koy def. Kon loolu laa bëggoon itam xamal leen ne dinaa ko tali fan yi di ñëw, ndax lépp lu ma yitte rek mooy Sénégal nekk si jàmm, nekk si sutura ngir suñu réew mën a jëm kanam. Maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, wasalaam.